Salut. Hello, hello. Ça va? C'est l'adhérent. Ouais, alors on donc se retrouve, hein, bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, voilà, tout à fait. Donc 26e sur la vidéo de l'association et de la saison. Et de la saison, voilà. Donc pourquoi bleu, blanc, rouge? Eh bien, on a le D-Day. Voilà, alors on a voulu fêter un petit peu le débarquement, voilà, c'est un peu notre normal. Façon. Et puis bientôt la Coupe et du Monde. Et puis la Coupe du Monde, donc on est à fond dans les couleurs. À fond dans les couleurs. Voilà, donc on va commencer comme ça, et puis on va tout de suite attaquer. Eh bien, on y est attaqué. Allez, avec quoi? Le karting, parce qu'on va parler un peu de ce qui s'est le passé. Karting, donc oui. Le karting. Alors, le karting, c'était super sympa. Ouais. Donc, circuit Jean-Pierre Bletoise, on était une vingtaine d'adhérents. Ouais. Ma foi, on a bien couru, c'était bien serré cette année. Là. Ensoleillé, compète. Compète, oui, je sais pas comment on compète. Mais en tout cas, non. à fond dedans, donc c'était très sympa, comme d'habitude. Hein. Et alors, c'est donc au circuit Jean-Pierre Bletoise cette année, comme l'année dernière, on était à Cormeilles. Ouais, et bah écoute, il n'y a pas de souci. Après, vous avez enchaîné parce qu'on n'était pas là, mais sur le country. Ah, bah oui, week-end country. Alors, le week-end country, super week-end, donc à Fontaine-le-Sec, c'était Clairefontaine, donc on avait de la chance d'avoir un groupe de country qui était avec nous. Merci à l'association de country L'Étalement Noir et particulièrement à Corinne, donc, qui nous a donné des cours de country. On s'est bien éclaté, comme d'habitude, on a eu beau temps, les gens ont fait du cheval, de la calèche, et puis comme d'habitude, on a bien mangé, trop mangé, vraiment à refaire. D'ailleurs, on fera peut-être quelque chose là-bas, tellement c'est bon, mais peut-être pas du country, on fera peut-être de la randonnée. On verra ça sur la prochaine saison. De toute façon, impeccable, mais on ne livre pas nos secrets. À la rentrée, si vous êtes là. Alors, et sinon, après, donc il y avait la soirée bretonne. Ah ben oui, la soirée bretonne. Ouais. Alors, la soirée bretonne, encore une fois, un poêlon, et non pas un poil long. Non, un poêlon. Avec, donc c'était un pot-au-feu. Pot-au-feu breton. Pot-au-feu breton. Qui était extra, encore bien servi. Merci au Jardin des Délices, hein, qui vient voilà, régulièrement. Avec un nouveau plat, une nouvelle découverte, et puis avec des danses, avec une soirée dansante. Ouais. Et puis, Stéphane avait bien joué le jeu. Stéphane, notre petit Stéphane, il était habillé en breton, en vrai de vrai. Jean-Luc aussi, avec son carton de déménagement, le déménageur breton, c'était super sympa. Ah ouais, mais je sens que des idées. C'est vrai que ce côté thème nous plaît bien finalement. Ouais. Et puis on voit que ça vous plaît bien aussi. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup de déguisements et on continue et on perpétue. Après, ensuite, nous avons enchaîné avec le week-end bord de Loire, malheureusement a été annulé. Ça, comme tous les ans, c'est le mois de mai. La mauvaise époque. Vous partez tout le temps, il n'y a personne le week-end. Donc, et même à fond, on refera peut-être à la rentrée, on va le reprogrammer. Tout à fait. Ce sera bien. C'est donc, pas grave, par la visite du château de Cheverny, de Chéville, enfin ce que vous aviez dans le programme. Tout à fait, mais on refera un autre moment. Voilà, mais 15 personnes, on ne peut pas déplacer un quart pour 15 personnes. Donc, on fera. Voilà, et sinon après, donc, on a enchaîné par le jeu de piste à Paris. Le jeu de piste à Paris. Alors, le jeu de piste à Paris, organisé donc par Jean-Luc. Là, une bonne quinzaine de participants, très sympa. Et puis, il y en a qui ont fait ça un petit peu au pas de course, hein, et puis qui ont réussi à gagner avec une heure d'avance par rapport aux autres. Mais je ne sais pas qu'on va les défuter. Hein, tu crois qu'ils avaient préparé le terrain? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils n'ont pas tout vu non plus. Ah, peut-être. Mais enfin, félicitations aux vainqueurs. Donc, Isabelle, Patrick, et puis, donc, je ne sais plus qui était dans le groupe. Dans le groupe, j'y étais pas, puis vous non plus. Ben, nous, on n'était pas non plus, mais on a eu des bons échos, donc apparemment, ça s'est bien passé. Super sympa. Et puis, merci donc à Jean-Luc pour avoir organisé. Il a bossé pour vous. Bravo Jean-Luc. Voilà, sinon on va parler un peu des prochaines sorties, parce que c'est important aussi. Donc le tir à l'arc. Tir à l'arc. Le 14 juin, donc la semaine prochaine. Voilà, 14 juin. Alors profitez-en, on va encore manger chez la petite mamie à Guiry. À Guiry, voilà. Nous, comme vous le savez, on y mange très très bien, donc on va faire un bon petit repas là-bas. Et après, si on arrive encore à marcher droit et puis qu'on n'est pas trop lourd, et bien on ira donc pour une balade en forêt avec tir à l'arc, voilà, petit parcours, etc. Pas besoin de savoir au tir à l'arc, vous apprendrez sur place. Et si on a de la chance, on aura du beau temps. Voilà, exactement. Et on va clôturer notre saison avec donc la soirée à thème. Alors, le 28 juin. 28 juin, voilà, samedi soir. Et donc, ce sera sur le thème des vacanciers. Des vacances. Donc, très facile comme sujet. Alors, vous naviguez. Alors là, avec des c'est l'éclate. Avec ce que vous voulez, avec votre bateau, le Tahiti, enfin, tout ce que vous voulez. On va ramener tout ce qu'on veut sur le thème de la plage, la montagne, les vacances. Et voilà. On compte sur vous donc pour venir nombreux, parce que ça va être la dernière soirée de la saison, je précise bien. Et donc, on se quittera donc, pour quelques semaines avant de se retrouver à la rentrée pour le forum. On n'a pas encore les dates, mais ça doit être vers le 8. Le premier ou le deuxième. Dans ce premier week-end De toute façon, on le redira. On le redira. Le dernier petit journal qu'on fera donc juste après notre soirée. Donc, on compte sur vous.
Et puis, qu'est-ce qu'on leur dit? Ben, bonne Coupe du Monde. Eh ben, bonne Coupe du Monde, hein, voilà. On va lever bien haut les drapeaux. Voilà. Hein. On va lever les couleurs, moi, voilà. C'est ce que je fais le matin. et puis sinon, eh ben, à bientôt. À bientôt. Allez, bye bye.